Hey, salut les amis Vapeurs, comment allez-vous bien? Ben écoutez, j'espère bien. Ici, ça va. Donc, nouvelle vidéo. Eh oui, en ce moment, je suis assez productif. Ça va pas durer, mais en ce moment, voilà. Donc, après vidéo matérielle, vidéo liquide, je voulais partager ça avec vous. Jolie découverte alors. Je sais, c'est pas tout récent comme liquide, mais j'ai découvert ça et je suis tombé raide de dingue de ce jus. J'ai pris une grosse claque. On va aller chez. Alors, je vais lever le setup. On va aller chez Primitive Vapor Company pour voir le Flac D. D'accord. Celui-ci me vient de chez iVaping. Merci à Damien, iVaping, voilà, hop. donc iVaping, vous connaissez, hein, beaucoup connaissent maintenant. Voilà, je vous avais parlé de quelques liquides de chez iVaping, plus la gamme 4 saisons. Donc ça, c'est disponible chez iVaping. On va d'ailleurs de suite aller faire un petit tour sur le site. Voilà, donc iVaping liquide, tac tac tac, gamme 50 ml. Je pense que c'est par là, non? Ah, l'a changé. Tac 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 tac. Bon, on va faire, on va descendre comme ça. Hop. Alors bon, alors. Voilà, il me semble que c'est comme ça que j'avais fait. Ouais, c'est ça. Donc là, ce sont tous les liquides de iVaping. On en retrouve donc même du Halo, du Tijuice, du Heisenberg, Vampire Vap, du Pikman, du Halo aussi. D'accord, ça c'est les créations. Damien, donc de iVaping, les petits là, plus donc l'automne, le spring break, le summertime, le winter is coming. Donc je vous ai fait des retours. On a la chose, ça c'est les trois derniers qui vont arriver aussi en revue, le Bougna, le Alésia et l'Auvergne. Un partenariat donc avec iVaping et Sophie des Nuages. Vous avez du Yogi et vous avez donc le Flac D. Donc on va aller voir, en savoir plus. Voilà. Primitive Vapor, d'accord. Donc on nous dit quoi? Flac D de Primitive Vapor est un dessert oriental baklava. Baklava ou lava. Excusez pour la prononciation, je ne m'en souviens plus. Composé de pistaches, de noisettes et de miel, le tout recouvert d'une pâte feuilletée. Ne contient pas de nicotine, bien entendu, puisqu'on est sur des fioles de 50 ml. À 21,90 €, c'est pratiquement un des meilleurs placés au niveau tarif sur ce liquide-là. Je l'ai vu beaucoup plus cher ailleurs. Fait beaucoup plus cher, 2, 3. 2, 3, 4 € on va dire, d'accord. Donc, hop, on va revenir à nos moutons. Donc, bien entendu, bague de première ouverture, sécurité enfant, on est sur du choubi, hein. Voilà. Bon, ancien modèle, là ça se dévisse pas, mais c'est pas très grave. D'accord, on a tout ce qu'il faut, dans ce sens-là, Willy, c'est mieux, on a tout ce qu'il faut, les infos et tout, en plusieurs langues. Les pictos qui vont bien. Et donc, l'étiquette, pardon, Flac D, Pistachio Baklava. Hop, Primitive Vapor Company. 0 mg de nicotine. Donc, pas besoin de tête de mort ou d'avertissement ou quoi. On n'a pas le picto pour nos amis malvoyants. Ah, si, peut-être là, voyons. Hop. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, il y avait des trucs là, mais non, ça n'a rien à voir. Bon, après, c'est pas très très grave aussi. Donc, ce Flac
des ennemis dans le lock RDA de chez IH Pro, monté ben, sur le tube 101 Pro hein, de IH Pro. Je vais peut-être en remettre d'ailleurs. Hop. Alors, ça, ces bagues-là, c'est toujours pareil, ça se barre facilement. En général, une fois que c'est rompu, je les jette. D'ailleurs, hop, poubelle. Voilà, donc je viens de remettre un petit peu de liquide dedans. Je suis à 23 watts. D'accord. Et pour moi, ça me suffit largement. Voilà. Alors là, quand vous testez ce liquide-là, il vaut mieux être assis parce que vous prenez une claque, vous tombez à la renverse, quoi. C'est délicieux, moi ça me rappelle un peu mon enfance, ma jeunesse. Si vous aimez tout ce qui est pâtisserie, pardon, orientale, ben voilà quoi. Bah, il faut aimer la pistache, les noisettes. On a tout ça bien réuni, quoi. Les pistaches, pardon, la noisette, du miel, et on a cette impression donc de pâte feuilletée. On a l'impression de manger le fameux baklava, quoi. C'est une tuerie, quoi. J'hésitais entre deux liquides et j'ai demandé, on discutait avec Damien, donc le boss de chez iVaping. Et je dis, voilà, j'hésite entre celui-là et celui-là. Il me dit, celui-là, il est bon. Il me dit, mais le Flaxé, je dis, ouais, le Flaxé. Et elle me dit, ça, c'est une tuerie. Bon, ben, j'ai dit, écoute, je te fais confiance, je prends. Et voilà, quoi. J'ai bien fait de l'écouter parce que c'est un régal. Ouh, j'ai les mêmes bizarres. Hein. Alors, la luminosité, peut-être. Ouais. Contraste peut-être. Bon, enfin bref, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce liquide. Je vous dis, c'est une tuerie. Je l'ai mis en tank sur mon GT4. C'est un régal quoi. Sur le tank, je suis à 28 watts, je crois. Et c'est un régal quoi. J'arrêterai pas, j'arrêterai pas quoi. Ben écoutez, voilà. Merci à Damien, merci à toi pour ton conseil précieux. Gagné, je l'adore. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo. Et puis si vous avez des questions concernant ce liquide ou quoi, ben, n'hésitez pas, pareil, à les poser dans les commentaires. Et puis voilà, et puis je vais vous dire merci, merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo. Je vais vous donner rendez-vous très vite pour de prochaines aventures. On verra la box, la Hegar, depuis le temps que je le dis, mais voilà, il y a plein de choses qui arrivent. On verra un petit RDA aussi qui est là, voilà, que certains connaissent déjà. Les trois nouvelles créations, donc iVaping se fait des nuages, si tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres liquides et puis du matériel aussi, quelques surprises. Voilà. Sur ce, à très vite donc. Merci, merci encore de me suivre. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci de rejoindre la famille. Voilà. Et puis, ben, les amis, je vous dis donc à très vite. Je vous embrasse. Bye bye. Et puis, ben, la bonne vape à toutes et à tous. Salut!